حمل نور الدين قريشي لاعب دولي السابق ومساعد المدرب البوسني وحيد حليلوزيتش عند اشرافه على الخوض رئيس الفار محمد راو راو والمدرب البلجيكي جورج ليكانس مسؤوليه اقصاء الخضر من الكان فالاول لطريقه تسييره السيئه بعدم ترك الاستقرار في طاقمه الفني واعتماده على اللاعبين مزدوجي الجنسيه بدل تكوين ما ثاني بتغييره لمناصب اللاعبين وضعفه التكتيكي. Je crois que Linkens, le président, parce que bon, changer trois fois d'entraîneur en 10 mois, ça manque de stabilité. Et en Algérie, on a un gros problème, c'est qu'on ne sait pas travailler sur le long terme. C'est comment se fait-il que sur les 23 joueurs de l'équipe nationale, 20 joueurs font partie des binationaux et 3 joueurs locaux. Il est où le problème ? Et en Algérie, le gros problème de l'Algérie, c'est la formation. Ah oui. C'est à lui de mettre en place une politique de formation de jeunes. Et tant qu'il n'y aura pas cette politique faite par le DTN et à mettre en place réellement un travail de formation dans tous les clubs et dans toute l'Algérie, on s'aperçoit que quand on regarde la composition des joueurs à leur poste, il y a des joueurs qui ne jouent pas réellement à leur vrai poste. Et un entraîneur, ça doit quoi faire? Un entraîneur qui est très bon dans la tactique, c'est de mettre en place un joueur à son poste où il peut tirer 100% de ses qualités. Quand c'est un problème collectif, c'est tout de suite à l'entraîneur de faire quelque chose.